Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers, Ghost of New Eden, où on était en train de chercher des braseros allumés pour nos amis les sorcières, notamment chasseuses. Et on va faire ça. Bah, il est juste là, ça doit être ça. Comment on fait pour aller là? Oui, c'est clairement ça. Donc là, il faut remonter encore un coup. Par où? Là, c'est pour descendre, c'est pas pour monter, c'est beaucoup trop haut. Ça, c'est pas... Ça commence bien. Je me suis retrompé de touche. Ok. Juste voir là-bas si c'est ça qu'on veut comme, comme brasero. Si c'est cela, on en a trouvé un. C'est déjà pas mal. Et les... Hein? Moi, j'ai l'impression qu'on est des cibles faciles. Oula, 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 c'est quoi ça? D'accord. S'apprête à tirer. Qui ça? Ah, je suis tout lent, mais pourquoi je suis lent? Je suis pas dans la... Ah d'accord, les montées cachent la zone, d'accord. Mais... C'est chiant. Mais c'est pourquoi j'ai pas fait le bannissement? Ah! Attends. Là, je suis perdu, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce... J'ai pas compris un truc là. Hein? Mais et le coup spécial? Elle a pas fait le coup spécial! Je suis censé avoir un coup spécial quand ça fait Stung! C'est terminé! Vous serez les prochains! Pourquoi j'ai perdu mon bannissement? Notre premier chasse-esprit. Pourquoi j'ai perdu mon bannissement? Parce que je l'ai utilisé sans faire exprès? J'ai pas appuyé sur la bonne touche, c'est bon, ça c'est vachement violent quand même, hein. Tu pars en vacances 3 jours et ça y est, tu te fais avoir par le jeu. Ah, d'accord. Je suis pas très content là. On s'était jamais trompé de touche sur le A, j'ai jamais vu que ça enlevait. Bon, c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Clé du pillage du colibri, d'accord. Ouais, donc c'est ça, ok. Partez! Ou je vous dévorerai. Il n'aime vraiment pas ces choses. Pas très content sur le coup de, du bannissement là. Mon fusil est chargé. Un peu dégueulasse. Ah, en fait c'est un peu dégueulasse, de, tu te trompes de touche, tu perds ton attaque ultime quoi. En plus, il y a plein de trucs qui se font avec la touche A de la manette. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon. C'est pas très honnête de la part du jeu, quoi. 6 avril 1636. Après plusieurs jours de résistance, le fort tient bon. Cette dernière semaine, les assauts rapides et violents n'ont pas cessé. Les sauvages ont abattu nombre de braves soldats, mais nous restons forts. Les natifs de ces terres sont courageux et résolus. En tant que soldat, je les admire. Si seulement ils comprenaient la raison de notre présence. Leur apporter le salut. Oui, on va apporter le salut de leurs âmes, tout ça, tout ça.
Là, on me dit que j'ai un truc, un esprit que je peux invoquer par là. Ah bah. Corbeau blanc niveau 3, ok, on verra ça plus tard. Je vous aurai, vous aussi. Oui, oui, oui. On t'écoute le fantôme. En plus c'est pareil, j'ai tiré sur le fantôme, ça lui a pas fait de dégâts. Un peu dégueulasse mais bon. Attends, tu me mets un ennemi devant, tu lui tires dessus, ça lui fait pas de dégâts. Ah. Je devrais peut-être passer devant pour le moment. Mais j'aimerais bien avoir l'indice de où se trouve le truc à allumer, vois-tu. Quand même pratique hein, ces fantômes qui peuvent ramasser les éléments. Ouais mais j'ai pas le... Ah, c'est un peu dommage ça, il y a un truc qui est par ici et nous ne pouvons pas le voir. Je n'ai pas l'indication de où il est. Et je vais quand même pas devoir chercher dans toute la purée de pois où est le truc. Toujours aussi impressionnant. Je trouve ça un peu dégueulasse. Mes amis et mes camarades reposent à mes côtés. Mort, le froid silencieux m'engloutit. Je regarde-le, je pense à chez moi. Parce que là, on me dit clairement qu'il y en a un par ici, à 35 mètres par là. Là. Ah oui, c'est vrai, on peut pas sortir le fusil ici. 35 mètres par là. Quelque chose par ici. C'est caché. Hein? Ok, ouais, ça oui, mais ça c'est pas ce qu'on cherche ça. C'est une vraie purée de pois. De mon côté, je vois très bien. On m'a dit clairement que ce serait par ici. Attendez. Regardons un truc. Faisons un calcul de double pas. Ce lierre est résistant. Très résistant. Ok, c'est 1 mètre par pas. 37 mètres. 36 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, ça va être chiant à compter là. Il faut compter les doubles pas. C'est vraiment par là, vers le truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oui. Il est censé être par ici, je ne le vois pas. Quelle est cette débris? C'est pas ça, ça ne peut pas être ça, ce n'est pas le même symbole. Je vois rien. J'aime ne rien voir dans les jeux. Sachez-le. Vous serez les prochains. Cette chose que combattait chercheuse. Hein? Je pense que c'était qui? On aurait dit un soldat. C'était peut-être son fort. Mais ça n'a rien à voir avec les trucs que j'ai allumés. Quoi? Mais... Hein? On me dit d'allumer des bras zéro, pas de casser des machins
On va dire que c'est normal. Là, encore un. Je bois dans ton crâne. Oui, non, ça n'a rien à voir avec un truc allumé. Repousse ces salopards, c'est ça? Les sorcières, les... Allez, plus qu'un. Plus qu'un, mais j'ai 12 trucs allumés. Hein? Le temps est de mon côté. Encore du lire insidieux. Aussi envahissant que les mauvaises herbes ordinaires. Et où? Je comprends pas bien ce qu'on me demande, mais Ah là, ok. Truc que je comprends pas là. On me dit plus qu'un, mais j'ai encore 4 trucs allumés. Pas y aller là. Là, je peux pas y aller, c'est sûr. Et où? Attention, une possession spectrale. Aïe, c'est quoi les pigeons là qu'on m'envoie? C'est enfin fini? Ne compte pas trop là-dessus. Celui-là maintenant? Oui, celui-là. Attends, il y a des trucs à aller chercher ici. J'arrive. C'est bon? Ah oui, là. Le temps est de mon côté. Je vous aurai, vous aussi. Ça devrait suffire. Voilà. C'est facile, la sorcellerie, en fait. Pas de quoi en faire tout un plat. Ton amie la sorcière serait sûrement d'accord. Je vais me contenter de lui dire qu'on a fini. Quelle mouche a bien pu lui piquer le cul pour qu'il soit autant énervé? Une bataille perdue? Une trahison, des lâches dans ses rangs, qui sait. Pourquoi j'avais encore 12 trucs d'allumer alors? Pas bien compris. Chercheuse a disparu. Ça lui arrive. Elle est là-bas. Allez. C'est moi ou tu parlais à un corbeau il y a un instant? Oui et non. D'accord. Tout le monde est prêt? Bien. Elle vous attend. Qui ça? Les sorcières sont-elles toujours aussi obtuses? Et les bannisseurs toujours aussi ignorants? Allez, on va prendre un bateau. On va s'amuser. Non, nous allons à New Eden. L'emprise du cauchemar sur le monde est trop forte, et le brouillard trop épais. Vous ne pouvez pas pénétrer sa forteresse. On ne peut pas retourner à l'église. Pas encore. Et pas sans aide. On s'en est bien sorti seul jusqu'à présent. Tu es morte. Peut-être que vous vous en sortez moins bien que vous le pensez. C'est pas faux. C'est brutal, mais tu n'as pas tort. On parlera à Cyrédiane avant de continuer. Je préfère ça. Suivez-moi. Attention, ne nous fais pas chavirer. Est-ce que c'est loin? Ça dépend de ce que loin signifie. Ne vous en faites pas, vous ne craignez rien. Ah bon? Les marais abritent de nombreux esprits agités.
Mais ma maîtresse sait les réduire au silence. Un silence de mort. Le spectre que tu as affronté ressemblait à un moissonneur. Ah, les bannisseurs. Il risque de revenir. Et moi aussi. C'est le moissonneur des lilas. Le voile semble plus fin aussi. Depuis toujours. On nomme ce lieu les marais bourbeux, mais les tribus voisines l'appellent la bouche malade. Tu tombes malade en t'y attardant. Est-ce pour ça que les repoussoirs de Cyrédiane s'épuisent plus vite que la normale ? Ça, c'est parce qu'elle est mourante. Oh, désolée. La vie est un voyage. La mort n'est qu'une étape. Ça me rappelle une petite balade sur le Ehrengrat. Il ne manque que la grêle et le glouton à nos trousses. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Tu parles d'une folle escapade ? Ce Old Soul, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir ? Le chaos, le sang, la tête de Cyrédiane sur un plateau. Il se connaissait sûrement autrefois. Nous pourrions vous aider à le bannir ? Les bannisseurs sont d'une telle arrogance. C'est le problème de Cyrédiane. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ton mentor ? Je pourrais vous dire plein de choses. Mais je ne le ferai pas. C'est une très vieille sorcière qui s'occupe de cet immense jardin depuis très longtemps. Et c'est tout ? Croyez-moi, c'est largement suffisant. Les spectres sur le rivage sont immobiles. Les marais sont bien protégés. Ce sont des soldats ? Ça, Miss Duarte, c'est l'armée d'Old Soul. Et on peut plus parler. Intéressant. On ne peut pas avoir tous les dialogues. Bienvenue sur l'île de Cyrédiane. Il y a une puissance extraordinaire ici. Oh, tu as remarqué ? Comme je le disais, bienvenue sur l'île de Cyrédiane. Elle est chez elle. Elle vous attend. Suivez le chemin jusqu'à un étang noir à proximité d'anciennes ruines. Je vous retrouverai là-bas. D'accord. Comment elle fait ça ? Il y a un truc, non ? Si seulement il n'y avait que ça. Cette fille a un vrai don. Encore ces marques noires qu'on a déjà vues. Peut-être des portails. Qu'est-ce que c'est ? Règle numéro 3. Tu te souviens du marais de Wisbeach ? Ouais. Mais je refuse de toucher ce truc avec un bâton. Peut-être des portails pour encore pour plus tard. Une deuxième méthode de déplacement. C'est que là-bas il y a un feu. Elle est trop solide pour moi. On va peut-être avoir des nouveaux pouvoirs de fantômes ici. Qui m'étonnerait guère.
fera l'affaire si jamais j'ai besoin de faire une pause. Oui, on pourra certainement se taper ici pour revenir échanger les pièces de sorcière ou je sais pas quoi. Juste me reposer pour récupérer mes fioles là. Mieux que j'en ai utilisé. Voilà. Ok. Les trois derniers. Et les bonnes manières alors. Ah. Poupées suspendues. Les sorcières ont vraiment des tendances bizarres. Quand j'étais petite, je fabriquais des poupées comme celle-là. Ça m'étonne même pas. Peut-être avoir le truc des lières, hein, parce qu'on en a vu beaucoup. Récemment. Le jeu est toujours aussi beau, hein. Regardez ça, c'est magnifique ça. Je vais aller là. Le lac noir, c'est ça? L'étang noir de chercheuse. Pas étonnant qu'il nomme cet endroit la bouche malade. Par là, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller par là. Ah! L'invoquer. Merde. Ok, ouais. Donc il y aura bien du lierre. C'est là qu'on va avoir le pouvoir pour le lierre. Oui, c'est sûr. Je veux appeler mon fantôme. C'est quoi ici? Vas-y, avance vers l'histoire. De toute façon, on peut rien faire sans Théa ni rien. Donc avance vers l'histoire. Quand tu auras en Théa, tu reviendras. Ça me paraît être ce qui est le plus intelligent à faire. Non, ce n'est pas exactement ça. Je savais qui j'étais, c'est seulement que j'étais perdue et je n'avais nulle part où aller. Je ne savais même pas quand aller, si tant est que cela ait un sens. Le temps peut être piégeux pour les morts, ce n'est jamais juste. Sa voix était comme un phare, une lumière dans l'obscurité qui m'a ramenée à moi-même et au monde. Un lien fort vous unit tous les deux, ou vous unira, ou vous a unis, peut-être même les trois à la fois. Ah, le voilà. Elle fait pas si vieille. Bannisseur, bonjour. Bonjour. Venez, asseyez-vous. Cela fait bien trop longtemps. On s'est déjà rencontrés? Bien sûr, à l'instant. Et puis, dans le futur.
dans le passé aussi. Peu importe, je suis contente de vous voir, Red McRae. Je lui ai raconté notre histoire. J'espère que tu ne m'en veux pas. C'est une terrible épreuve que vous avez dû traverser. Je suis sincèrement désolée pour vous deux. Ce doit être horriblement difficile. Merci. Mais je suis heureuse de vous accueillir ici tous les deux. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir mettre un terme à tout ça, ensemble. Elle fait pas très vieille, hein. Ça fait vraiment plastique son visage, pour le coup. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'Indiens à New Eden ? Ils y sont passés, mais ils ne s'y sont jamais installés. Les hommes et les femmes avisés savent que la région, notamment les marais bourbeux, est corrompue. C'est pour ça que vous vous êtes installés ? L'ourlet est mince et fragile ici, et les marais abritent des esprits agités. C'est un lieu isolé et difficile à trouver. Cela fait deux excellentes raisons de rester. Ici, l'on peut se cacher et réparer l'ourlet. Nous devons récupérer le corps d'Antea. Mes chercheuses nous a dit que l'église était inaccessible à cause du brouillard. Chercheuse a raison. Le brouillard est le cauchemar. Hein ? Le cauchemar forme le brouillard, vous voulez dire ? Le brouillard est le cauchemar. Le cauchemar est le brouillard. Chacun fait grandir l'autre à mesure que son influence s'étend. Il corrompt tous les habitants de New Eden. Il obscurcit leur esprit et altère leur perception des éléments. Mais vous avez déjà nettoyé les bois sombres. Le travail a commencé. Il faut le poursuivre. D'accord. Qui êtes-vous exactement ? Et qui est chercheuse ? Nous sommes des sorcières, bannisseurs. Vous ne m'apprenez rien, là. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi New Eden ? Vous êtes lié à la colère du cauchemar ? Le cauchemar n'éprouve aucune rancune à notre égard. Nous ne sommes que des auxiliaires, les bergères des morts, les gardiennes de l'invisible. Mais nous sommes aussi des boucs émissaires. Il est facile de nous faire porter le blâme pour tous les malheurs du monde. Vous nous avez fait venir jusqu'ici. Pourquoi ? Vous avez beaucoup de questions. Et je n'ai que peu de temps. Votre apprenti nous a prévenus. Je suis désolée. Pas moi. Bientôt, je ne ferai qu'un avec les arbres, des racines à l'écorce. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai demandé à vous voir. Mes chers amis, la voie à suivre n'est pas encore claire, mais n'oubliez jamais que si vous voulez vaincre le cauchemar, vous devez ouvrir votre cœur. L'ouvrir l'un envers l'autre, sans aucune barrière. Votre lien doit être fort. Comment on le vaincre ? Comment peut-on le vaincre ? Est-ce qu'on peut seulement égaler son pouvoir ? Vous devez vous abandonner, sans réserve, l'un à l'autre. Quand vous êtes morte, chère Antea, New Eden s'est effondré, mais certains vivent encore. Retrouvez-les, aidez-les. Le cauchemar ne va pas apprécier. Non. Après tout, vous êtes une menace pour son existence. À juste titre, d'ailleurs. Elle pense que vous ne pouvez pas pénétrer dans son domaine. Mais elle se trompe. Il existe un moyen d'y arriver. Le vide. Un endroit épouvantable, sous l'incarné et l'invisible. Quand vous aurez appris à vous déplacer dans le vide,
vous pourrez pénétrer dans l'antre du cauchemar. Mais d'abord, vous devez libérer les habitants de New Eden de son emprise. C'est quoi ce vide? S'il existe un endroit sous l'incarné et l'invisible, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, maintenant vous savez. Et pour le moment, c'est tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas dangereux. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Qui sait? Ça va et ça vient. Ça s'étire et se contracte. Ça tourne dans tous les sens. Une chose est sûre, vous n'y serez pas en sécurité. Le concept de danger n'a aucun sens dans le vide. Une chose est sûre, si vous devez y entrer, vous devrez en sortir. Le vide comporte parfois des brèches. Suivez les balises, ne traînez pas et tout se passera bien. Chercheuse vous a fabriqué une clé d'harmonie. Elle vous permettra d'ouvrir la brèche. C'est quoi, c'est les ronds noirs alors ? Ne traînez pas, le temps est capricieux. Oh ! Est-ce qu'une sorcière aurait quelque chose d'intéressant dans ces marais, pour un bannisseur? Bien sûr. Et ce sera toujours le cas. Qu'est-ce qu'elle vend? Ah, les pièces des sorcières, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Oh, une armure. Et des armes. 3, 8, 8 et 8, 16. Ah, j'ai pas assez d'argent. Et on peut lui vendre des choses? On peut lui vendre des choses. C'est quoi ça? J'aurais pas assez dans tous les cas. Ok. Prenons l'épée et la tenue. Le cauchemar dans l'église était de loin le fantôme le plus puissant que j'ai jamais vu. D'où venait-il? La colère noire est un puissant fond pour les esprits vengeurs. Mais dans le cas présent, je soupçonne une source encore plus maléfique à l'œuvre. Déborah. Que savez-vous de Déborah? Pas grand-chose. Ça fait des décennies que j'évite les habitants de New Eden. Je sais qu'elle a été jugée pour sorcellerie. C'était une sorcière? C'était l'une des vôtres? Pourquoi me poser une telle question? Ce n'était pas une sorcière. C'était une femme, victime de la plus primale des peurs humaines. Mmh. On sait que la bête et le cauchemar sont liés. Mais on ne sait pas comment. Par l'intermédiaire de la bête, le cauchemar a infligé sa malédiction aux colons. La bête était son avatar. Je suis sûr qu'il en existe d'autres. De quoi s'agit-il, au juste? Ce sont des manifestations de son pouvoir qui peuvent aussi représenter son seul et unique point faible. L'esprit du cauchemar a été brisé par la violence qu'il a créée. Correctement étudiés, ces morceaux pourraient nous aider à lever la malédiction. Près de la plage, quand je me noyais, vous avez envoyé chercheuse. Comment saviez-vous que je serais là? Vous demandez à une vieille sorcière comment elle sait ce qui se passe dans son propre jardin? Les rivières et les bois sont peuplés de griffes, de plumes et d'écailles alliées. Je sais toujours ce que je dois savoir. Je suppose que je n'aurai pas de meilleure réponse. C'est la meilleure de toutes celles que j'ai essayées, mes chers amis. Mmh. Nous avons trouvé un objet maudit. Vous pourriez peut-être nous aider à le purifier. Vraiment? Et pourquoi nous? Eh bien, vous savez, les sorts,
les malédictions, les sorcières. Je vous taquine. Vous auriez dû voir votre expression. Il existe bien des façons d'enchanter un objet ou de lever une malédiction. Chercheuse pourra vous y aider. Après tout, elle aime aussi vous taquiner. Elle me fait vraiment peur. Elle fait vraiment pas... Elle fait vraiment artificielle, elle, pour le coup. Merci, Ceridian. On vous laisse. Avant de partir, dites-moi une chose. Qu'avez-vous choisi ? Faire caca par terre. Vous vous êtes fait une promesse. Qu'est-ce que c'était ? Qu'avez-vous choisi ? J'ai choisi de rester. Des vies contre une vie. C'est un marché coûteux. J'ai fait une promesse. Et j'en paierai le prix. Je ne juge pas le marché. Je m'inquiète de son prix. Maintenant, ce que je me pose comme... L'harmonie est sur la table. Elle vous protégera dans le vide. Chercheuse attend près de l'étang pour vous accompagner. J'ai presque envie de savoir, ça fait quoi si tu fais une promesse et que tu la tiens pas ? Oh, des pierres de sorcière, très bien. Encore ? Pas mal, votre rouet. Vous vous en servez pour tisser ? Bien sûr. Je tisse de l'essence, Reine Magrace. Alors, ma chère vieille enfant, si jamais tu accomplis ta destinée, et choisis de quitter New Eden. N'oublie pas qu'il y aura toujours une place pour toi dans le ventre de la lune. Hein ? Tendant puis ce modeste livre. Le ventre de la lune ? Quoi ? Il faut arrêter la drogue, hein ? Ça y est, la drogue. Servez-vous. Prenez tout ce qu'il vous faut. La clé d'harmonie, oui. Ok, let's go. C'est cette touche-là. Alors, ça fait gagner de la force et de la vie, mais ça fait perdre de l'esprit et du spectral. Très bien. Et j'avais une nouvelle tenue et une nouvelle épée. Nouvelle tenue. Ça me fait perdre trop de force. Hein. Un peu décevant que ça fait perdre tant de force. Parce qu'elle est très classe. J'ai une jupette! Je peux me balader en jupe! Oui! Ça fait baisser pas mal la vie quand même, hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence hein, des fois entre les épées quand même. Juste une teinte, c'est un peu... J'aurais bien aimé des fois plus de différence quoi. Mais sa maison est toute cassée. Allez, on a du pain sur la planche. Oh et oh, grand-mère là. Elle va se calmer ? Ouais, donc c'est ça. Ceridian nous a donné une clé d'harmonie. Maintenant, je sais comment tu fais ton petit tour pour disparaître. C'est pas un tour. C'est de la survie. Pour une sorcière, le monde peut être particulièrement hostile. Alors ce qu'on a vu de l'autre côté de l'île, c'était une brèche du vide. Oui, mais n'y touchez pas. Pas celle-là, du moins. Pas encore. Il y en a une autre, un peu plus loin. Au fond d'une grotte. Utilisez celle-là pour le moment. Celle-ci est spéciale. C'est le seul moyen d'accéder à New Eden depuis la destruction du pont. On pourrait retourner à New Eden maintenant ?
Pourquoi vous voulez y retourner ? Le cauchemar est puissant. Il contrôle New Eden. Réduisez son emprise. Et peut-être, que vous pourrez traverser cette brèche en vie. D'accord, d'accord. On a compris. Ne perdez pas votre clé d'harmonie si vous tenez à la vie. Ça ne devrait pas être un problème. Une fois la brèche traversée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Avancez sans jamais vous retourner. Parcourir le vide ? Peux-tu nous en dire plus ? Ça me permet de sauter d'une brèche à une autre, comme me l'a appris Ceridian. Je ne le fais pas tous les jours. Je vous le déconseille d'ailleurs. Et pourquoi ça ? Le vide est une terra incognita. Je soupçonne Ceridian d'en savoir plus, mais elle ne m'a jamais rien dit. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. Là. Pourquoi ça a ouvert la map ? Merci. Je me demandais, qu'est-ce que tu penses du cauchemar, personnellement ? Je pense que le cauchemar est l'enfant des iniquités de nos pères. Et de nos propres péchés. Est-ce que tu l'admires ? Je le crains. Mais j'accepte sa colère. Comme j'accepte la pluie. Et New Eden mérite sans aucun doute ce déluge. Au bout de vous. Parle-moi un peu de toi, chercheuse. Comment dire ça poliment ? Non. D'accord. Alors, qui est Déborah ? Je ne connais pas de Déborah. Je ne pense pas avoir déjà connu une Déborah. D'accord. Nous avons trouvé un objet maudit. Un objet ? Quel objet ? Un coffre. Verrouillé et maudit, manifestement. Une malédiction peut avoir plusieurs significations. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Nous l'avons trouvé dans la nature. Nous pensons que quelqu'un y aurait lié un esprit pour se protéger. Ah, vous avez dû trouver un coffre appartenant à Firgod. Qui ça ? Pardon, qui ? Firgod Waterbury, un saint homme qui a fini ses jours en ermite il y a des années. Quand je me baladais, il m'arrivait de croiser son fantôme. C'est un vieux fou, mais il aboie plus qu'il ne mord. Il fabriquait des coffres maudits. Firgod Waterbury avait un certain talent pour conserver des choses précieusement. Des choses qu'il estimait trop dangereuses. Il y a combien de coffres ? Un coffre ? Il y en a beaucoup d'autres ? Je ne lui ai pas demandé et il ne me l'a pas dit. Je sais qu'il y en a plusieurs, probablement beaucoup. Il avait l'habitude de récupérer des breloques qu'il conservait précieusement. Pourquoi ? Il pensait que quelque chose à New Eden attirait ses habitants vers l'occulte. Il n'avait pas tort. Et comment on l'ouvre ? Bonne question. Pourquoi vous voulez l'ouvrir ? C'est de la démonologie et ce n'est pas du tout mon domaine. Même si ce vieux Firgod n'était pas le pire de tous. Mais d'après ses dires, Firgod Waterbury, l'homme, pas le fantôme, conservait un rituel de libération dans son bréviaire. Et tu l'as ce bréviaire ? Non, mais je sais où il est. Firgod a passé les dernières années de sa vie isolé dans les bois sombres. Allez au nord-est du camp des chasseurs. Restez à droite du chemin, puis prenez en direction du sud. Sa cabane se trouve dans une clairière. Comme tu as tendance à oublier certaines choses, je vais écrire tout ça pour toi. Gna gna. On va y aller. J'espère qu'on se reverra bientôt. Oui. J'aime beaucoup nos petites discussions à travers l'ourlet. Bon, si je comprends bien, on cherche un bréviaire appartenant à un démonologue que chercheuse a rencontré après sa mort. Et tout ça dans le but d'apprendre à purifier des esprits malveillants liés à des objets maudits. Rappelle-toi de l'enseignement de Balthazar H. Frenhofer. Efficace, versatile, adaptable. Alors. Je suppose qu'on y reviendra tôt ou tard. Vous avez hâte, n'est-ce pas ? Ah, c'est pas là qu'on doit aller. D'accord. Marrant ces petits raisonnements qu'ils ont mis quand on court sur le noir. Eh bien non. Grotte de chercheuse.
n'est pas les racines. Aucun moyen de le savoir. Ah. Cyridiane a préparé tous les ingrédients qu'il vous faudra pour le rituel. Prenez-les. Récupérez-les vous-même la prochaine fois. D'accord. C'est déjà pas mal. Alors premier, on m'a dit de pas me retourner. C'est le passage dans God of War. Souviens-toi de ce qu'on nous a dit. Suivre les balises, ne pas traîner et ne jamais se retourner. Coucou, je me suis retourné, ça fait rien. Oh! Beautiful! Beautiful! Ça fait rien de se retourner. Hein. C'est qui eux? Dépêchons-nous. C'est un peu les passages dans God of War, là, entre les portes... comment ça s'appelle? Dans les nouveaux. Ça a l'air stérile. Sans vie. C'est le royaume des morts. Les enfers. Mais il est beau. Alors, ne traînons pas. Il est pas mal, hein. Il est très beau, je trouve. Ah, c'est lumière, hein. Sympa. Et un rire. Qu'est-ce qui rigole comme ça? Vas-y, montre-toi. Oui, ne t'arrête pas. Il y avait un mur invisible. Là, c'est notre bande sortie. Voilà. Un théâtre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà entendu cette voix il y a longtemps. J'ai banni son propriétaire. Un théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on parte. Maintenant. Ah ah. Il va se passer des trucs bizarres encore. La balise suivante est morte. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle abomination? On dirait une affliction utilisée comme un cerbère. J'ai jamais vu ça. Oh non! C'est l'heure de la guerre! Dans le vide, les ennemis peuvent régénérer leurs points de vie. Les pouvoirs d'Antea sont également accrus. Oh. Et où? Ah! C'est quoi ces trucs? Aïe! Oh. Attention! Il a pas aimé! Aïe! J'attends ton signal. Aïe! Mais... Aïe! J'aimerais bien pouvoir me... soigner, me déplacer. Je peux t'aider. Ok. Il te prend pour cible. Ouais. Aïe. Aïe. Ah mais j'ai du mal à esquiver les vagues là. Je peux t'aider. Aïe, mais il n'y a pas de marque. Aïe, d'accord, ok, c'est ça. Ok. Aïe. Mais... Oh, vous m'énervez. Ah.
Je suis censé avoir une charge quand je sprint et que... Je suis censé avoir... Ah, il y a des attaques que j'ai plus. Je comprends pas. J'ai appuyé sur soin. Le soin s'est jamais fait. Non mais les attaques elles sont tellement rapides on les voit pas et... Normalement c'est 3 attaques légères et une touche et j'ai l'attaque d'Antea et je l'avais pas. Un peu dégueulasse. Aïe. Mais... Encore une fois là... Mais j'appuie sur les touches. Fais appel à moi. Il se renforce à chaque pilier détruit. Là j'ai eu le dialogue qui me disait ça, mais... Ok. Mais... C'est un peu chiant. Je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois pas les zones d'attaque. Hein, mais... Attends. La régène est tellement rapide. J'ai appuyé. Attends, tu peux pas réagir? Il est où? Il est parti où? Il est parti où? Ok, super. Ok, j'ai fait 3 coups. Normalement, je devais avoir l'attaque. Mais elle n'a pas proc. Mais j'ai appuyé. Mais... Impossible. Impossible à gérer tous ces ennemis. Combat chiant. Je t'ai demandé de courir. Le coup qui s'est pas fait. J'avais pourtant la lumière verte. Merci. Impossible, quoi. Il est temps d'éliminer cette monstruosité. 3 fois, j'ai dû appuyer pour avoir le soin. 3 fois. Ce n'est pas normal. Vas-y. Tu peux y mettre plus d'entrain? Ouais, j'aimerais bien aussi, ouais. Il est où? Pense à un cadeau. Allez. Ouvre les yeux. Ok. Eh ben. Mais d'où sort cette horreur? J'en sais rien, mais il faut qu'on parte d'ici. C'est un peu chiant quand même, hein? J'espère qu'on n'en aura pas à combattre trop souvent. Des fois j'appuyais sur la touche et elle faisait pas l'uppercut là. Un peu chiant. C'était quoi ça? La clé de Ceridian était censée nous permettre de passer inaperçue. Je ne sais pas. Vous avez appris le rituel de voyage dans le vide et vous pouvez à présent pénétrer dans les brèches. Les brèches du vide, découvert et indiqué sur votre carte. Merci, j'aime quand tu parles pendant un tuto et donc je ne peux pas lire le tuto. Merci, j'aime ça. Okay. J'ai pas le tuto. Attends. Je suis où là? C'est quoi ça? C'est Ceridian. Ah oui, d'accord. New Eden est là. Ok. C'est un coffre... Coffre quoi ça? Oui, comme ça. Un nouveau fusil.
Il m'enlève de la colère, mais il me donne de la vie. Colère, c'est... Ouais, on s'en fout, on les utilise jamais. Est-ce que tu vas bien? Ça va aller. Mais ce cauchemar là, on ne sait presque rien à son sujet. Et ça m'inquiète. Et pour toi? Quelle que soit la raison, le cauchemar est ici à cause de ce que ces hommes et ces femmes ont fait. New Eden empeste leur culpabilité. C'est à cause d'eux si je suis morte. Maudits soient ces gens. Maudits soient leurs secrets et leurs péchés. On va s'en sortir. Comme toujours. Ces brèches sont-elles vraiment sûres? Nous étions protégés. Tu as entendu les murmures, le désespoir. Et cette voix, elle t'appelait. Quelque chose t'a vu, et sait que tu es ici. J'y ai pensé. L'espace d'un instant, j'ai pensé à eux. Ces pauvres garçons, massacrés. Je jure avoir entendu leurs cris dans le vide. Des gamins, envoyés à la mort pour la fierté de leur sultan. C'était comme si j'étais de retour dans les Balkans. Tu es bien toi. Et tu es ici en ce moment même, avec moi. Je ne me sens pas moi-même. Ce vide... C'est l'enfer? Comme dans les Écritures? Les Écritures? Quelles Écritures? C'est juste que... Et si tous les enseignements de ma jeunesse se trompaient? Et si ce qu'on a vu, c'est ce qui m'attend pour mes péchés? Je suis devenu bannisseur, pour aider les vivants. En mettant un terme à la souffrance des fantômes errants. Mais c'est tout le contraire. On les condamne à une éternité de souffrance. On les maudit. Rodrigue, tu es le bannisseur le plus gentil et le plus empathique que je connaisse. Ne laisse pas un vieux dieu te faire croire le contraire. Ce vide n'est pas l'œuvre d'un dieu. Et si elle revenait? Et si les âmes que j'ai blâmées revenaient me chercher? Elles en auraient le droit. L'esprit des vivants est consumé pendant le rituel. Ces âmes ne reviendront pas. Tout ira bien. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. Oui. Tout va bien. D'accord. Ah, il a peur! Espèce de... Voilà. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!